C'est sur cette île perdue au milieu du fleuve Niger, dans la ville de Koulikoro, que s'est tenu pour la deuxième fois le festival Agna, qui signifie en langue tamashèque la culture. Le fondateur du légendaire festival qui se tenait dans le désert de Tombouctou a fait renaître son mythique festival disparu depuis 2012, tout près de la capitale malienne Bamako. Ce festival est né de l'idée d'apporter un peu de festival au désert, au sud du Mali, puisqu'on ne peut pas pour le moment le tenir à Tombouctou, de trouver un endroit où on retrouve un peu de désert. Et c'est ce qu'on a ici, au milieu du fleuve Niger. Vous voyez le sable qu'il y a à Koulikoro, à quelques kilomètres de Bamako. Donc les artistes du nord du Mali, des camps de réfugiés, ceux du sud se retrouvent comme ils le faisaient à Tombouctou. Ce festival a vu le brassage culturel des peuples du nord et du sud du Mali, à l'image de ce groupe, le Sangoy Blues, fondé à Bamako en 2012 et forcé de quitter sa ville natale après l'installation de la charia. Ces gens avaient la nostalgie de l'événementiel en fait. Il manquait ça. Depuis combien d'années il n'y a pas eu de festival là-bas, donc... C'est plus qu'une nécessité pour eux d'avoir de la musique auprès d'eux. Parce que Tombouctou, quand même, c'était un grand carrefour culturel de musique. Le jeune artiste Kader Tiranine, l'étoile montante de la musique touareg, est devenu l'un des artistes les plus aimés du Mali. Je fais de la musique pour tout le monde. La musique n'a pas de frontières. Aujourd'hui, je joue à Koulikoro, mais je voudrais jouer librement aussi à Kidal, à Menaka, à Gao ou encore à Tombouctou. Espérons que la paix revienne bientôt et avec la paix, les événements et aussi les activités économiques.